Alors, voici le Rio 700 Cruiser. C'est un modèle qui est équipé d'une remorque double essieu et c'est un bateau qui fait 7 mètres et qui est immatriculé à Lyon de façon à ne pas avoir de taxes. Voilà. Alors, le bateau, il vient d'arriver, il n'est pas propre. Tout sera refait correctement, anti-fouling, lavage et tout ça. Le moteur est vraiment en parfait état. Là, en base, vous voyez là en base avec une hélice duopropre qui économise les carburants. Ensuite, nous allons monter à l'intérieur. Alors, il dispose d'une grande plateforme, des rangements pour les pare-battages, un cockpit assez spacieux avec une petite porte. Voilà. Alors, la banquette que vous voyez ici se met ici, ça est transformable en bain de soleil. Et lorsque nous mettons la tente camping, il y a deux personnes qui peuvent dormir là. Ensuite, un poste de pilotage complet. L'accès sur le pont se fait par cet escalier, vous voyez, et la porte du pare-brise s'ouvre. La cabine, bon, elle est très belle, très spacieuse, vous voyez. Alors là, c'est transformable en table, il y a une grande table pour manger à l'extérieur dehors, hein. Alors la particularité de ce bateau, c'est qu'on a une vue panoramique de chaque côté, qui est très agréable. Ici, vous avez un couchage sous l'escalier, hein. Là c'est votre cuisine équipée avec le frigo. Il dispose de beaucoup de rangements ici et ici, voilà. Et là vous avez votre cabinet toilette, hein. Le WC marin, le petit évier et une salle de bain qui est assez confortable. Voilà, c'est les WC séparés. Voilà, alors ce 700 Cruiser est en très bon état, hein. Vous avez la porte qui coulisse, qui se ferme, la banquette et le moteur. Vous voyez, un 225 injection essence de chez Volvo Penta. Voilà, il a tout, hein. Il a le guindeau électrique, il a le chargeur prise de quai, l'eau chaude. Hein. Il est vraiment très très bien équipé. Voilà, tout est en bon état. Hein. Et ça fait 7 mètres et il n'y a pas de taxes et il est transportable. Voilà, le Rio 700 Cruiser.